Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo. Moi et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos d'une nouveauté qui vient d'apparaître sur la map. Alors apparemment il y a le robot géant, un robot géant qui va être construit à plusieurs plans et on va aller voir ça de plus près ensemble. Alors j'ai mis en terrain de jeu, hein, comme ça je vais pouvoir explorer sans me faire défoncer par d'autres joueurs, au calme. Et on va voir ça tout de suite. Donc là déjà... on peut apercevoir qu'il y a vraiment quelque chose qui a été construit. Donc c'est dans le volcan, de près sur plan. Et on peut apercevoir qu'il y a déjà deux pieds. Donc il y a déjà les deux pieds et un tibia qui a été construit. Alors franchement, il est assez énorme. Il est vraiment, vraiment énorme. On va aller voir ça de plus près. La taille, regardez, la taille de sa semelle. Je pense que ça fait ma taille, quoi. MDR. Donc vous imaginez bien que ce robot... en fin de construction, regardez la taille de son pied, c'est hallucinant. Non mais je pense que la taille finale, ce sera énorme quoi. Ce sera le truc le plus géant de Fortnite qu'on a vu jusqu'à présent. Alors il faut savoir que ce robot, s'il est créé, je pense que c'est pour battre justement le monstre qui était à Polar Peak. Parce qu'il y avait vraiment un œil vraiment immense quoi. L'œil de Polar Peak, il était vraiment immense. Donc je pense que c'est... principalement pour battre ce monstre. Après, je sais pas, hein, c'est possible que ça ait rien à voir. Peut-être que le monstre, il sera avec le robot, mais je pense pas. Je pense vraiment que c'est l'histoire de la saison 7 est basée sur le robot et le monstre. Donc, on verra bien. Il faut savoir aussi que ce robot, apparemment, va être construit tous les jours. Donc, tous les jours, il y aura un morceau de robot qui va être construit. Donc, je sais pas si ça va prendre jusqu'à la fin de la saison, parce que s'ils font le tibia, puis la jambe gauche, le bassin, le ventre, le torse, le bras gauche, le bras droit, l'avant-bras gauche, l'avant-bras droit, la main gauche, la tête, le cou. Je pense qu'il y en a quand même pour une bonne quinzaine de jours. Ouais. Donc je pense que c'est possible que ça dure jusqu'à la fin de saison. Et qu'à la fin de la saison, donc quand le robot sera construit, il y aura sûrement une bataille épique. Donc ce sera un événement unique, hein, comme on a eu avec la fusée, le cube et tout ça. Hein, je pense que ce sera... une journée, enfin quelques heures, même pas, ça va sûrement être 15 minutes je pense, d'événements ce jour-là, donc il faudra être tenu au courant pour pas louper ces événements parce que c'est des événements uniques. Moi j'essaierai d'être en live, si je ne suis pas en live, ben j'essaierai de récupérer une vidéo pour vous tenir au courant et vous montrer ce qui s'est passé. Donc voilà, ok, ça c'est cool, on peut descendre le pied sans perdre de dégâts de chute, ok, ça c'est nice. Alors j'espère qu'on pourra quand même monter dans le robot, je sais pas, peut-être dans sa tête et tout, pour être aux premières loges pendant le combat, ou je sais pas. Franchement, je suis impatient de voir ce qu'ils vont faire par la suite, et je vous tiendrai au courant de l'évolution de ce robot. Enfin bref, j'espère que cette vidéo information vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez surtout pas à liker, hein, vous connaissez les bails, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas de partager aussi, ça me ferait extrêmement plaisir et ça aiderait la chaîne à évoluer. Et n'oubliez surtout pas le code créateur SwakulMacYTB dans la boutique de Fortnite. Ce serait vraiment l'ultime pour me soutenir. Franchement, merci à tous ceux qui me soutiennent. Et sur ce, bah, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwakulMac et ciao. Peace. I'm Nick, bruh. I'm Nick, bruh.